Hawker. Hawker, c'est le même jeu que le soccer. Cependant, hawker, le H, ça veut dire hand pour main. Donc ici, dans mon jeu, on peut utiliser les mains. La petite différence, c'est qu'il n'y a pas de gardien de but. Et les joueurs peuvent se placer devant le but ou la ligne des buts ici, puis utiliser leurs mains pour bloquer. On n'a pas le droit d'attraper le ballon. On n'a pas le droit de courir avec le ballon. Mais on peut dribbler le ballon. On peut botter le ballon. Et on peut utiliser aussi nos mains pour frapper le ballon. Okay? Donc, les mêmes jeux, les mêmes règlements que le soccer. Puis si le ballon va à l'extérieur, on utilise une touche pour remettre le ballon en jeu. Donc, on va faire deux équipes. On va mélanger les équipes. On va avoir une équipe avec des dossards et l'autre équipe pas de dossards. C'est bien? Donc, hawker, et tout ce que tu as besoin, c'est un gros ballon puis des combes pour diviser ton terrain. Donc, on va jouer sur le gazon. Traverse la ligne des deux combes qui sont ici. Du moment que le ballon traverse l'autre côté, c'est un peu comme au football, mais tu n'as pas besoin de l'attraper, quoi que ce soit. C'est la même chose du côté ici. Donc, les roues, vous autres, votre objectif, c'est d'envoyer le ballon du côté ici. Traverser les deux combes qui sont là. Puis, vous autres, les buts, c'est de traverser les deux combes qui sont ici. C'est bon? Puis, si le ballon va à l'extérieur, okay, l'équipe, par exemple, si les roues, vous envoyez le ballon à l'extérieur, le ballon va au bleu et vous devez faire une touche, comme ça ici, puis le lancer. Oui, là, on fait une mise en jeu ici. Donc, roche, papier, ciseaux, pour savoir qui commence. OK, peut commencer. OK, so, je peux faire... Ah, en arrière, là, comme au centre. Dribbler, botter, botter. Oui, tu peux botter, dribbler.